Non, mais sérieux, quoi? Vous vous rendez compte un peu? Franchement, vous trouvez pas que Chérubin et le comte, ce sont des goujats? J'ai trop un plan. Bon, à quel sujet? Eh ben, j'ai fait passer un billet au comte. Vous allez voir comment on va se manger. Je lui fais passer un billet disant que vous, madame, vous avez un amant et que vous avez rendez-vous avec lui. Ouais. Comme ça, il se croit disponible pour la nuit. Et toi, il faut que tu arrives à le convaincre de prendre rendez-vous avec toi. Quoi? Non mais j'ai pas envie de me retrouver toute seule avec lui, moi. Mais t'inquiète pas, c'est Chérubin qui va y aller à la place. Et là, on pourra bien la voir, le comte. Tiens, bah d'ailleurs, voilà, regarde, Chérubin, il arrive dans son super déguisement. Là, on peut pas le reconnaître. Salut les filles, salut Figaro. C'est bon, je suis ok pour le plan. Tout va fonctionner à merveille. C'est bon les filles? Compris? Allez, on y va. Ouais, attends. Vas-y, passe devant, je te suis. Bonjour madame. Bon bah tout à l'heure alors. Je vais y aller quoi. Hein? Je pourrais vous chanter une chanson. Au revoir ma belle. Je m'en vais. Oh là là, il chante bien. Oh mais c'est mon ruban. Oui, je le gardais avec moi, je... Non bah je vais le reprendre alors. Merci de me l'avoir ramené. Hein? Ouais. Vous êtes quand même super jolie. Oui, c'est gentil. Il y a quelqu'un qui arrive là. Vite. Mais va te cacher toi. Oh mince. Où est-ce que je vais? Non, pas là, j'ai déjà essayé. Tiens, je vais aller là. Non mais, ah mince, c'est le comte, faut que j'aille. Ah! Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes toute seule? Oui, on peut dire ça, oui. Ça me fait trop peur. Oh merde, j'ai fait tomber la chaise. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Hein? Un bruit? Non, j'ai rien entendu. Bah bien sûr que si, il y a eu du bruit. Ah bah... Ah oui, oui. Je pense que... C'est Suzanne qui est là-haut. Suzanne? Suzanne est là-haut? Mais avec qui? Ah bah ça, je... Vous savez... Si on devait surveiller tout le monde... Non mais c'est pas possible. Allez me chercher la clé. Ah bah je sais pas où elle est. Je veux ouvrir cette porte. D'accord, bah venez avec moi, on va chercher la clé. On va chercher la clé. Oh non mais c'est pas vrai, mais... Oh, Chérubin, mais qu'est-ce que t'as foutu? Ouais, désolé, ouais, je suis un peu maladroit. Allez, va-t'en maintenant. Bah, par où? Bah, saute par la fenêtre. D'accord. Oh, c'est pas possible. Oh là, ils vont revenir. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer, moi, maintenant, comme... Non, mais vraiment, mon roi, je vous jure que ce n'est pas grave. Je suis sûre que Suzanne respecte toutes les règles. Ça, c'est à moi de décider. Allez, dis-moi la vérité. Bon, d'accord, allez-y, prenez la clé. Allez-y, on va... Oh! Ah bah, vous voilà. Ah bah oui, c'est Suzanne, vous voyez. C'est Suzanne, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Suzanne. Oh bah... Ah, puis vous êtes seule? Bah bien sûr que oui, qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai un amant? Ah non. Eh ben voilà, hein? Vous êtes jaloux comme un tigre, et puis après, vous soupçonnez tout le monde! Non mais franchement, pour qui vous vous prenez? Ouais, désolé, je... Effectivement, là, je... J'étais un peu soupçonneux. Mais bon, j'ai des raisons de l'être aussi, vous trouvez pas? Ah bon? Excusez-moi! Bah qui c'est celui-là? C'est Antonio, c'est le jardinier. Excusez-moi! Oui,
s'appelait-il ? Très normal que quelqu'un ait écrasé mes géraniums ou comme ça. Ceux qui sont au pied de la fenêtre, là, sont tout abîmés maintenant. J'ai tout mon boulot à refaire. Et en plus, il y avait un papier par terre. Ah oui, non. Excusez-moi. Ah, merci pour le papier. Ouais, ça, ben c'est moi. C'est moi. Je suis tombée dans les fleurs et j'avais un papier dans la poche et... Enfin, en tout cas... Merci, mon brave. Merci bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, Garou, pourquoi est-ce que vous sautez dans les fleurs, enfin? Mais... Et puis, c'est quoi ce bruit-là? Oh non, c'est pas vrai! Encore une révolte! Oui! Oui! Et cette fois, et c'est moi qui l'a conduit! Moi, Marceline! Parce que là, ça commence à bien faire! Je veux épouser Figaro! J'ai des droits, vous savez, j'ai de l'argent! Alors faites en sorte que j'épouse ce gentil garçon, s'il vous plaît! Oh là là là, mais je vais comment m'en sortir, moi, de cette histoire? Basile! Basile! Oui, maître, oui, que se passe-t-il? Basile, allez me chercher mes hommes de loi, là! Franchement, là, j'ai besoin d'aide! Ça commence à devenir insupportable! D'accord, j'y vais. Non mais, attendez là, comment on fait maintenant là? Ah ben, je sais pas. Non mais parce que là c'est sûr, Chérubin là, il peut pas aller au rendez-vous là, c'est mort là. Non mais t'inquiète pas, j'ai la solution. C'est moi qui vais au rendez-vous et je me déguise en toi, d'accord? Et on va le planter comme ça, le comte, ouais! Ouais, d'accord. Mais pas un mot à Figaro, ok? Je crois qu'il le prendrait pas bien.